Salut à tous, c'est Coren Harver et on se retrouve devant l'Ansamer, la grotte que vous voyez derrière moi, puisque nous sommes sur les royaumes d'Amalur Reckoning, bien sûr, pour continuer notre let's play et notre aventure dans ce monde magnifique. Voilà, oh là, c'est beau quand même, hein. Donc voilà, nous sommes devant cette grotte, puisque la dernière fois, eh bien, on avait fait pas mal de choses quand même, la dernière fois, on avait bien avancé. On avait fait notamment les quêtes que nous avions à faire ici, alors notamment, nous avions à tuer des kobolds, donc on avait fini cette quête, on avait ensuite été voir le gars qui nous avait demandé d'aller tuer un Crudoc, donc on avait été le tuer, mais finalement, on n'a pas fini sa quête parce qu'il était par là le Crudoc, donc du coup on s'est rendu directement vers le village ici, je ne sais toujours pas comment il s'appelle, voilà depuis le dernier épisode, hein. On était retourné donc au village et on avait fini toutes les quêtes qu'on avait demandées au village il y a longtemps, donc c'est-à-dire qu'on avait rendu, enfin non, on avait parlé à Ratofer, voilà, qui nous avait dit oui merci d'avoir vendu toutes mes affaires, je peux maintenant partir de ce village, merci Myriam, voilà. On avait aussi fini la quête du gars qui nous avait demandé de tuer un certain Castor, n'est-ce pas? Voilà, je vous invite à voir les épisodes précédents si vous ne vous en rappelez plus. Et puis, eh bien, maintenant qu'on a fait tout ça, qu'on a fini toutes les quêtes, eh bien, on avait parcouru toute cette route, pardon, je bégaye, on avait parcouru toute cette route, on était arrivé dans ces plaines ici, et donc on avait commencé la quête qu'il y avait à faire ici, c'est-à-dire récupérer une alliance. On avait ensuite été voir le mec qui est ici, puisque ici, il y a un camp, voilà, de quelques personnes, et en fait, ils viennent d'un village qui a été détruit par les Tuatha, vous savez, ce sont les ennemis communs de tout le monde dans ce jeu, pour l'instant on n'en sait pas vraiment plus, hein, c'est vrai. Et donc, vu que leur village a été détruit, eh bien, ils se retrouvent là dans un petit camp, et toutes ces personnes étaient des gens assez riches, qui ont caché leur trésor apparemment dans l'Ansamer, la grotte qui se trouve derrière nous, et c'est pour ça que nous y sommes aujourd'hui, nous allons essayer de rentrer dedans. Enfin, d'ailleurs, nous allons le faire, voilà. Et nous allons essayer surtout, eh bien, de trouver leur trésor pour leur ramener et pouvoir leur permettre de se développer à nouveau sur de nouvelles bases. Voilà. Alors ensuite, une fois qu'on aura fait ça, une fois qu'on aura récupéré comment dire, comment ça s'appelle? Tous les trésors, je cherchais le mot. Eh bien, on pourra enfin se concentrer sur Alinchir, puisque je vous rappelle quand même que la quête principale consiste à aller voir Alinchir. Voilà, et nous avons un nouveau dash, voilà, que j'ai découvert la dernière fois, juste beaucoup trop stylé. Alors là, ça, je pense que c'était un piège, hein, cette corde-là, clairement. Mais vu qu'on a un dash qui se téléporte, eh bien écoutez, on a beaucoup trop de talent, donc on ne peut pas test, le piège ne nous prendra pas. Voilà, donc on a récupéré un truc, c'est cool, ici, voilà. Il y a un trésor caché, une potion de soin, ça fait toujours plaisir, surtout que j'en ai utilisé quelques-unes la dernière fois. Donc voilà, alors je vous préviens, cet épisode est tourné à la suite du dernier, et donc forcément je ne pourrai pas lire vos commentaires du dernier avant un petit bout de temps, pardon. Enfin au moment où je tourne, hein, vous du coup, voilà, en gros, ce qu'il faut savoir c'est que je n'aurai pas lu vos commentaires quand vous verrez cette vidéo. Bref, donc on va crocheter ce coffre. Il est facile apparemment. Donc on va essayer de ne pas perdre de crochet. Ça passe? Oui, ça passe. Voilà, bon, en même temps, j'ai 48 crochets avant de tous les utiliser, les amis. Je pense qu'il y a le temps. Ok, alors, on continue l'exploration de cette grotte. Donc, apparemment, il y a des trésors un petit peu partout, mais il y a des kobolds qui ont pris possession des lieux. Hop, là, tu m'attaqueras pas, je t'ai vu. Hop, voilà, on va tuer ceux-là d'abord. Hop. Voilà, nickel, on a tué les deux. Il reste donc plus que celui-là, un petit sort électrique et un coup de chakram, et voilà. Nickel, on récupère un autre trésor, c'est parti. Ah, il faut les crocheter, carrément. Ça passe pas. Là, ça devrait passer, les amis. Yes, ça passe. Ok, Russaril, très bien. Ça a l'air d'être des trucs assez rares, en plus. Voilà, donc là, je pense qu'on a tout. Et on va prendre le tableau, puisque c'est le trésor de Köln. Un des trésors de Köln. Parfait. Donc oui, parce que leur civilisation, enfin leur village plutôt, s'appelle le village de Köln. Enfin, s'appelait plutôt, parce que maintenant, il n'y a plus que des cendres et des débris, à mon avis. Voilà, hop. Donc on continue de tuer des kobolds. Oh, notre tâche, les amis, juste hyper stylé. Mince, j'ai cancel mon attaque, c'est pas grave. Voilà, on continue. Hop, nickel. Voilà, on va peut-être utiliser notre sort de... C'est lequel? C'est celui-là. Voilà. Voilà, oh, il est tellement puissant ce sort, faut que je l'utilise plus souvent. Surtout, je l'ai monté au dernier niveau. Tac, voilà. On récupère ce qu'il y a dans ce coffre. Beaucoup de coffres dans cet endroit, c'est cool. Parfait, on récupère tout. On va faire une petite sauvegarde rapide, histoire de pas recommencer tout depuis le début. Et on va continuer, donc ça devrait pas être très très long. On a déjà pris 2 trésors sur 5, et puis on voit que les trésors suivants ne sont pas si loin que ça, donc je pense qu'on va y arriver. Hop,
Ah, c'est vrai qu'on a une épée, tiens. Dit le gars qui se sert que de ses chakras. Oh, on se calme. Oh, on se calme là-haut. Ok, ils ont des bombes. Je pense qu'on va changer du coup. Histoire de les neutraliser tous. En fait, les chakras sont tellement puissants parce qu'on peut tirer sur tout le monde, quoi. Donc, ok, là il y a l'âme noire kobold. Ça doit être les pyromanes, hein. Sans doute. Hop, hop, prends-toi ça. Oh, ce sort est tellement puissant, les amis. Je suis content de l'avoir pris. Ok, parfait, on continue. Ah non, j'ai pas pris le j'ai pas pris le trésor, mince alors. Enfin, faudrait peut-être le prendre quand même. Hein. Ça serait plutôt utile. Oh, il y avait un piège. Oh, ça fait mal. Je l'avais même pas vu. Je l'avais même pas vu. Bon, heureusement qu'on a un sort de soin maintenant. Par la puissance, je libère mon énergie pour me soigner. Très bien. Donc ça y est, nous sommes full life, on peut continuer d'avancer, on va reprendre peut-être notre sort de glace, hop, des petits champignons, on continue. J'ai encore un gain de niveau, bah décidément. Alors je pense que le dernier niveau qu'on a pris la dernière fois, je l'avais depuis longtemps, donc je suis désolé, je l'avais pas pris. Bon bah on continue, alors on va encore rajouter de la persuasion parce que je pense que c'est très important. Voilà, et ici, eh bien on va essayer de monter notre sort de barrage de glace là qui est complètement cheaté. Voilà, je pense qu'on va le monter au max. Et puis, je pense peut-être qu'on va continuer d'augmenter notre... Quoique, on s'en sert plus vraiment, hein, de ça. Hein. On s'en sert plus vraiment. Espadon et en marteau. Bon, on va continuer de prendre du vol de vie quand on est assez affaibli. Voilà. Et nous sommes plutôt bien. Parfait. Passage de niveau express. Alors, là, il y a encore un piège. Alors, est-ce qu'on peut désactiver les pièges, tiens? Faut peut-être de la perception pour ça. Parce que là, il semble pas qu'il y ait de... Ouais, non, il n'y a pas d'interaction. Alors, à mon avis... Alors, bon, moi, j'ai de la chance parce que... Non, je l'ai touché, je crois. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai un dash qui permet de passer à travers. Ah non, même pas, ça l'a activé. Ok, donc là, si on faisait gaffe au décor, on voyait que les pièges sortaient de là. Oh, c'est vraiment bien fait, les amis. Cool. Ok, bon, je saurai la prochaine fois. Là, il va falloir être vigilant, il y a des pièges un peu partout. Ça commence à se corser, mine de rien, ce jeu. Bon, ça va encore, hein. On est en normal, ça devrait pas être trop compliqué, mais bon. Quand même, il va falloir faire gaffe. Alors, nous sommes dans une grande salle, apparemment il y a pas mal d'ennemis. On va essayer d'y aller mollo. Hop, salut vous. Alors déjà, il y a un pyromane là. Hop, un lanceur de bombes. Ok, on va essayer de les faire un peu près un par un. Non, c'est bon, ils sont tous arrivés. Ok, c'est mort. Hop, un petit dash, voilà, on va tous les taper en même temps. Parfait, nickel. Allez, meurs. Mourez. Voilà. On a tué tout le monde. On a tué tout le monde, je crois. Ok, bon, ça va. C'était plutôt simple. Hop, on récupère de l'or. C'est parfait. Voilà. Là, je cours dans tous les sens, mais s'il y a des pièges partout, je me fais tuer, c'est pas grave. Ouais, ok, ça devrait aller, parfait. Un petit coffre caché. Ok, il y a un piège par terre. Je l'ai vu, celui-là. Donc, on va essayer de pas marcher dedans. Voilà. Ouh, difficile à crocheter. Mais bon, nous, on est des pros du crochetage, les amis. Oula. Oula, 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 la vache, c'est chaud. C'est plutôt par là. Ah, nickel. Alors, ouh, les chaussures de... Ah, pas mal, pas mal. Alors, voyons voir les chaussures. Qu'est-ce qu'elles valent? Elles valent rien du tout. C'est juste pour faire les panoplies, super. Ah, et j'ai un talisman plus intéressant que celui que j'avais avant. Donc, c'est parfait. Oh, stylé. Stylé, le talisman. Et celui-là est très rare, donc peut-être qu'on va le garder. Voilà. Histoire de... C'est vrai que le talisman, je m'en sers... j'ai failli marcher dedans. Je m'en sers jamais du talisman, les amis. Faudrait que j'y pense. Mais je pense que quand ça va devenir compliqué, j'y penserai. Je pense que j'y penserai. Tac. Mais c'est vrai que quand on peut bourriner, moi, je choisis plutôt la simplicité souvent, donc bon. Pas forcément une bonne chose, mais bon. Tac. En fait, dans mon esprit, je préférerais utiliser toutes les compétences pour faire du beau jeu, vous voyez, utiliser toutes nos capacités, essayer de faire des combats, des beaux combats et tout. Mais malheureusement, je suis un petit flemmard là-dessus, et donc je préfère bourriner des fois, j'avoue. Bon, voilà, nous avons fini, je crois qu'on a pris tous les trésors de Köln, et donc on va pouvoir ressortir de cette anse. Voilà, on a fait ça en 10 minutes, c'était pas très très compliqué honnêtement, il y avait juste des kobolds à tuer. Franchement, ils auraient pu y aller eux-mêmes, non pas du tout. Pas du tout, nous sommes là pour aider, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est très bien. Et donc maintenant on va pouvoir aller leur rendre leur trésor, ils vont être bien heureux je pense. Et puis comme ça, ils vont pouvoir refonder leur village. Ça va être plutôt bien. Voilà, et ensuite, nous allons peut-être, je dis bien peut-être, parce que ça fait quelques épisodes qu'on y croit mais qu'on ne le fait pas,
Nous allons peut-être retrouver enfin Aïnchir et avancer dans la quête principale. Ma gorge commence déjà à avoir du mal. C'est un gros problème. Surtout que je n'ai pas bouteille d'eau à côté de moi. Enfin, je vous raconte ma vie pendant qu'on est en train de sortir de la grotte, mais bon. C'est comme ça, voilà, nous sommes ressortis. Ah, oh, il fait jour. Oh, ce ciel, les amis. Oh, c'est beau. C'est beau. Franchement, ce jeu est vraiment... Honnêtement, il est vraiment bien. Je pensais pas qu'il serait aussi bien quand je me suis dit que j'allais le faire. Et franchement, il m'éblouit de plus en plus. Bon, alors, où sont-ils? Je ne sais même plus, ils sont là. Oui, c'est vrai. On va donc sauter ici. C'est parti! Ce qui serait marrant, c'est que des fois, genre, le personnage se plante. Parce qu'il arrive pas à se réceptionner. Ce serait plutôt marrant. Bref, les idées pourries, on repassera. Alors, ce n'est pas du tout par là. C'est par ici, il faut donc remonter tout. Voilà. Toc. Ah, on peut pas monter. Lightbox est bugué. Hop, donc voilà, ils sont là-bas. Hop, et il faut parler, j'imagine, au gars qui est là-bas. Le nouveau roi, là, enfin, nouveau chef. Remarquable. Les trésors de Köln, ils sont encore plus beaux que dans mes souvenirs. Ce morceau de bravoure aura des conséquences sur notre avenir. Vous pouvez me croire. Et où est ma récompense? Vous l'aurez. Vous méritez une récompense digne du grand service que vous nous avez rendu. À moi et aux réfugiés. J'ai acquis nombre d'outils et d'armes durant mon long périple vers l'ouest. Je les avais gardés pour construire le nouveau Köln, mais je préfère vous les offrir. Allez donc choisir un objet dans mon trésor privé en remerciement. Erlik va vous accompagner. Sa lance pourrait être utile en chemin. Au revoir. Oh, alors ça, c'est gentil. Ça, c'est très sympa. Moi, j'apprécie. Surtout que nous, on était là, notre perso en mode « Oui, mais moi, je m'en fous de ce que vous voulez. Moi, je veux juste mon or. Oui, où est ma récompense, machin. » Et là, il m'offre tout ça et tout. Sympa. Honnêtement, sympa. Voilà, suivons le petit Ulrich, là, où je sais pas qui. Il va vite, d'ailleurs. Ah, le salaud. Il va trop vite. Ah, il m'attend, il est sympa. Hop, sprint un petit peu. Voilà. Hop. On le suit. Oh, quelques assassins. Meurs. Hop. Haha, alors, t'en penses quoi de ça? Hop. Ah, mon épée est quand même méga forte. Méga forte. Hop, et les dagues qui volent jusqu'à je sais pas où. Bon, t'es où? Je ne le vois plus, il est là. J'ai complètement mongolisé, les amis. Voilà, alors j'espère que c'est pas trop loin quand même. Mais voilà, et d'ailleurs le décor a changé hein, la dernière fois. On est aussi arrivé dans des plaines beaucoup plus arides. Je trouve ça plutôt sympa. Ça change plus souvent qu'au début. Peut-être qu'on a passé beaucoup trop de temps au début du jeu. Je suis désolé, là, dans les forêts du départ. Peut-être qu'on a passé vraiment beaucoup trop de temps. J'en suis navré si c'est le cas. Ah, j'arrive pas à le toucher. Oh, le combat, le pire du monde, quoi. Allez, meurs. Voilà. Parfait. Ah non, mais moi, je suis avec toi, là. N'importe quoi. Hop. Les barguestes, ils passent comme ça? Non, ils les attaquent. Très bien. Ils les attaquent, tant pis. Hop. Hop, voilà. Allez, bats-toi, mon ami. Ne meurs pas. Hop, je te protège. Va tuer l'autre, si tu veux. Hop, nickel. Et l'autre est mort aussi, parfait. Chou, chou, chou. Trop stylé, ce dash. Très bien, bon. Allez, on continue. Je te suis. Hop. Mais tu vas où, là, comme ça? Lui aussi, il a eu un problème dans sa tête, là. Ok, là, il y en a trois, cette fois-ci. Les épreuves sont de plus en plus complexes. Hop, bourré. Ok, on va dash. Hop. Non. 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 Tu me lâches. Mourez, mourez tous. Hop. Oh, ça s'est barré n'importe où. Chou. Oh, trop stylé. Bon, très bien. On continue. Alors, est-ce que c'est loin là où tu m'emmènes? Oh, il y a encore une quête ici, les amis. On va jamais arriver. C'est Alinchi. Oh. Allez, cours. Emmène-moi là où tu veux. Ah, ça doit être là. Je pense que c'est là, les amis. Non? Ok, c'est pas là du tout. Bon, si. Et ben voilà. Il est temps que je m'y mette. Je dois vous tuer ici, loin des yeux des réfugiés.
Ah, je m'en Vous l'avez doutais. deviné, il n'y Je me aura suis pas de demandé aussi. récompense. Il n'y en a jamais eu. Kras doit être à mi-chemin de Rathyr maintenant. Ne vous fiez jamais aux nobles, même aux imposteurs. Bon, je suis pas d'humeur à tuer, mais les ordres sont les ordres. Ok, alors je m'en doutais un petit peu aussi. Enfin, en fait, non, je me suis demandé. Quand il a dit oui, il va vous emmener là-bas, je me suis dit, oula, c'était peut-être un piège. Et puis après, je me suis dit, oh non, finalement, ils sont gentils quand même. Et puis leur histoire était touchante, moi je me suis fait avoir, voilà. Et puis non! Et puis non! Et puis non. Mais je pense que Kras lui a menti, peut-être, je ne sais pas. Voilà, on va le persuader qu'il a menti. Vous devez avoir raison. Il m'a toujours maltraité, ce sournois. Vous savez quoi? Allez donc lui faire peur. Ce gros bouffi le mérite bien. D'accord. Très bien. Ok. Ok. Bon bah super. En tout cas, on a une très 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 belle vue. On va prendre le temps de la contempler. Hein, voilà. Moi, je suis d'avis. Voilà. Hein, un beau golf là ou je sais pas quoi. Bref. Allez, c'est reparti. Donc il y a une petite quête à prendre. Wow! What fuck? Oh, il s'est fait des boîtes! Ah non, pas du tout. Il est encore là. C'est quoi ce machin? Oh, c'est vénère. Je vais t'aider, mon ami, t'inquiète pas. Oh, c'est n'importe quoi. Oh, j'ai tellement cru qu'il s'était fait des boîtes en un coup, quoi. Hop, prends ça. Ok, bon, là, il y a deux monstres assez balèzes, je crois, là, donc va falloir faire gaffe, quand même. Surtout que... Oh non, mais... Oh la vache, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce combat? Surtout que, les amis, je n'ai pas sauvegardé, donc sinon je vais être obligé de refaire tout. Oh là, je le sens pas, je le sens pas du tout. Hop, peut-être qu'on va utiliser notre... Est-ce que les bugs tank autant que les trolls? Hop, on va peut-être l'utiliser à l'épée. Vous savez quoi? Hop, on va y aller à l'épée pour le taper un peu plus fort. Voilà, nickel, on va changer encore. C'est parti, alors voyons voir les bugs s'ils tankent autant. Oh les amis, ils tankent beaucoup trop. Bon ouais, allez c'est parti, il n'y a plus le temps là. Yeah! C'est parti, mode jugement les amis, ça faisait longtemps, j'avais envie. Hop, on va tuer les... Hop, les barguest aussi, histoire de... Voilà. Et ensuite, on va finir sur le Bolgan. Hop, et on va le finir. Allez, vas-y. Et voilà, le finish, magnifique. Ah, ça faisait du bien les amis, j'avais envie de l'utiliser, là je me suis dit, bon c'est un peu le bordel et tout. Donc on va le faire. Hop, des chakras monangirites, mais les miens sont très bien, je les garde. Voilà. Hop, on récupère tout. Ah, mon inventaire est plein, bon c'est pas grave. Tac, voilà. Bon, on s'en fout un petit peu. Ok, bon tu me remercies même pas là. Le gars, comme ça, normal, bon, ça y est, voilà. Moi je faisais une petite balade tranquille, j'ai tué quelques monstres, mais bon. Alors, cette quête... On va y aller, vous savez quoi? On va y aller, on a le temps les amis, on a le temps. Non mais, je vous promets que si c'est pas une quête genre hyper intéressante, on va voir Alinchir aujourd'hui. Je pense que ça va être intéressant. Je vous ai vu approcher. J'espérais votre visite. Je suis fou d'inquiétude avec ces libertaires qui rôdent dans les collines et les grottes. Dites-moi, auriez-vous vu une jeune femme dans les environs? Très blanche de peau, les cheveux roux et un tatouage comme le mien sur la joue. Ça fait 3 jours. Qui est-elle? C'est ma bien-aimée et tout ce qu'il me reste. Toute ma famille, ma femme, mon fils, mes petits-enfants, ils ont tous été tués lors des attaques. Il ne me reste plus que Lyra. Elle est partie avec des amis à la recherche d'un meilleur endroit pour notre camp. Ce maudit soleil tape sacrément dur, pas vrai? Ils ne sont jamais revenus et je m'inquiète. Rendrez-vous service à un vieil homme? M'aiderez-vous à la retrouver? Je la retrouverai. Merci. Je n'ai plus de richesse, mais ce que je peux vous donner est à vous. Rien ne vaut plus que mon amour. Lyra a cherché refuge dans la tombe d'Oriator. Un lieu plus sûr que cette triste falaise. Allez voir au cimetière sur la colline, où sont enterrés les anciens héros de guerre. Ok. Alors voyons voir où c'est. C'est par là. Et bien, écoutez ça, on le fera plus tard les amis. Moi j'ai envie d'aller voir Alinchir. Donc du coup c'est parti. On y va, on va enfin le faire les amis. Après quelques épisodes à se dire oui on va aller voir Alinchir et on n'y va jamais. Et bien c'est le moment. Nous y allons enfin. Hop, voilà un petit dash pour marquer le coup. N'importe quoi.
Ok, donc c'est parti. Par contre, je n'arrive pas du tout à sprinter, je suis mauvais. Donc voilà, on va redescendre, on va prendre ensuite la route vers l'ouest, et puis on va aller vers Emaire. Voilà, et puis on va directement parler à l'Enchir. Hop, on va le reste après. Alors, quelques assassins sur la route, je pense qu'il y en a pas mal, mais bon, c'est pas grave. Hop, mourez tous. Voilà, je n'ai pas de temps à perdre, allez à plus. Je récupère même pas les loots, si ça se trouve, ils ont des trucs de ouf, mais c'est pas grave. Voilà, on y va. Alors, ça devrait être plus très loin là pour tourner. Tac, on traverse. En tout cas, cette zone était plutôt sympa. Enfin, est plutôt sympa. Je sais pas si on va y retourner. Je pense que oui. Quoique, on verra bien. Voilà. Et donc là, on va prendre la route d'Emaire. C'est parti. Donc, ça devra être. Ça devra être. Ça devrait être un village. Je pense. Hop, un nouveau village. Tac. Voilà, et on va reprendre la quête principale, donc avec les Tuatha, voilà, Alinchir et tout ça. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas faite quand même cette quête, enfin qu'on ne l'a pas continuée, donc ça va un petit peu rafraîchir la mémoire, je pense. Ça va être plutôt bien. On y va. Alors ça devrait plus être très loin quand même. Ah si si si. Il y a quand même un peu de route, les amis. Il y a quand même un peu de route, mais on l'a fait ensemble parce que de toute façon là, on n'a pas encore découvert cette zone, donc on la découvre ensemble. Alors une petite sauvegarde rapide parce que là, je pense. Oh, j'ai utilisé mon. Non mais. Sérieusement, là, je viens d'utiliser mon bouclier, vraiment? Waouh! Applaudissez-moi. J'utilise jamais d'habitude. Bon. Très bien. On se fait des crapules. Alors ça, ce sont de nouveaux monstres, donc. Les Bolgan. Bon, ils sont plutôt bien faits. Voilà, meurt. Toc, toc, toc. Alors, voyons voir. Hop. Prends ça. Ok, ça. D'accord. C'est beaucoup trop puissant, ce sort. Je voulais voir, en fait, combien ça faisait de dégâts, mais. Vraiment, c'est abusé. Hop, un petit bâton. Bon, mon inventaire est plein, donc on le prend pas. De toute façon, je joue pas au bâton. Voilà, et on court vers Emaire. Alors, faudrait peut-être un jour aussi que je me mette à faire de l'alchimie. C'est vrai que pour l'instant, j'en ressens pas trop le besoin vu que j'utilise pas beaucoup de potions. Mais c'est peut-être pour ça que je galère aussi pendant des combats. Voilà. Bon, faudrait peut-être que je pense à le faire. Si jamais à un moment le jeu devient dur et tout, j'essaierai d'y penser. Ah, il y a une. Il y a un truc dégueulasse encore là, une linachie, linochie, je sais pas comment on dit. Ok, là ça pue là par contre. Ah, j'arrive pas à faire mon sort. Arrêtez. On va peut-être tuer la linachie en premier. Hein. Ça serait peut-être intéressant, mais en fait non. Hop. Hop. Barre-toi l'assassin. Hop, toi prends ça. Oh là, la puissance du sort les amis. Voilà, on va la tuer. Nickel. Ok, bon j'ai un peu galéré. Ok, bon, brassard. Quoique c'est. Je sais pas. Attendez, on va peut-être virer quelques trucs les amis, parce que là, il y a des trucs quand même pas mal. Hop, alors les bâtons, les sceptres, tout ça, on va virer. Hop. 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 Voilà. Voilà. Toc, retour. Accessoires, j'ai pas mal d'accessoires aussi, les amis. Voilà, ça par exemple. Ça par exemple, on pourrait virer. Résistance aux dégâts de feu. Je devrais peut-être le garder, ça, résistance aux dégâts de feu. Si jamais. Si jamais, les amis, si jamais. Hop, voilà, on vire tout ça. On va prendre ce qu'elle avait donc. Le brassard de libertaire, ça pourra peut-être me servir, je ne sais pas du tout. Bref, on récupère les loots, hop, et on va vers Emaire. Alors, est-ce que je peux ouvrir ça? Oui. Tout ça pour une écorce, quoi. Super. Voilà, on va reprendre la route. On va essayer d'esquiver les combats au maximum. Garder juste la route. Hop. Voilà, on prend quand même ce qu'il y a dans les coffres, hein. On va pas se priver. C'est des sceptres. Je devrais pas tout prendre, en fait, parce qu'après, je les jette, donc. Bref. Alors, nous arrivons à Emaire, je crois. Nous sommes plus très loin en tout cas. Et il y a déjà une quête qui arrive sur notre passage. Alors on va les prendre, mais on va aller directement parler à Lynchir. On va pas se lancer dans les quêtes maintenant, je pense. Salut. Quoi encore? Je vous l'ai déjà dit et je vous le répète. Nous ne partirons que lorsque nous aurons un autre endroit où aller. Allez dire à vos amis d'Emaire que tant que les Tuatha brûleront nos maisons, nous chercherons un endroit où nous installer. Les Tuatha vous ont attaqué? Je les ai vus de mes propres yeux. Et je connais les Tuatha. J'ai tué bon nombre d'ennemis pendant la guerre. Je suis Elrod Edman,
chef de ce pathétique groupe de biffins. Nous sommes des fermiers de la côte de Taiwili. Si vous y allez, vous ne trouverez que des ruines. Les pilleurs Tuata nous ont terrorisés là où nous pensions être le plus en sécurité. Chez nous, il y a des espions parmi nous. Et nous devons les démasquer. Voulez-vous m'aider ? Mais oui, t'inquiète. D'accord. Alors nous serons discrets. Je soupçonne 3 individus de travailler avec les Tuata. Ils reçoivent de l'or. Personne ne sait vraiment ce qu'ils font. Anred Amfast se fait passer pour un recruteur militaire. Et Froma et Nag habitent tous deux nos camps situés dans la plaine. Restez sur vos gardes. Ils sont tous de connivence. Soyez lestes et sans pitié. Où se trouve-t-il ? Anred rôde généralement dans l'ombre de la plaine désolée. Essayez Emaïre ou la Faeli occidentale. Froma et Nag se trouvent probablement dans l'un des camps de réfugiés à l'est. Ah oui, donc il y a une zone assez grande à chercher quand même. Enfin, à explorer. Ok, bon, alors apparemment il y a les taupes, donc c'est plutôt intéressant. Donc on ira les trouver peut-être plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer sur Alinchir. C'est parti, on y va, j'ai envie de la rencontrer quand même pour la fin de l'épisode. Donc on y va, on va essayer de trouver où elle est. Ça y est, nous sommes enfin à Emaïre, les amis. Après 4 épisodes à avoir fait les plaines d'Eratel un petit peu partout. Voilà, on a déjà exploré pas mal des plaines d'Eratel quand même. Et donc ça y est, nous allons à Emaïre. Finalement, on aurait pu juste sprinter là, hop, et faire ça directement dès le premier épisode dans les plaines. Mais voilà, on s'est fait emporter partout et tout, c'était plutôt cool. Donc maintenant, nous allons trouver Alinchir, qui apparemment est dans ce bâtiment. Donc, j'imagine que c'est l'auberge. On va rentrer, et elle devrait être ici. Répondez-moi franchement, la générale est toujours dans le berceau de l'été ? Oui, même si cela ne lui sert pas à grand-chose. Et c'est le cas. Merci d'avoir fait tout ce chemin. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la générale Tilera est toujours ici, en exil. D'accord. Donc c'est vrai qu'elle nous avait demandé... en gros, je crois qu'elle nous avait demandé de demander à la générale Tilera de nous aider dans notre quête contre les Tuata. Je crois que c'était ça. Donc, elle est ici, et apparemment, elle est toujours en exil ici. Donc, on va lui demander si on doit la rencontrer. Ah non, on va d'abord lui demander pourquoi elle est exilée, peut-être. Ouais, on va lui demander ça. Pour avoir perdu la forteresse de Melsenshir, Tilera menait nos troupes quand les Tuata lui opposèrent un ennemi qu'elle ne put vaincre. Ses forces furent presque décimées lors de la retraite de Cloricon. Elle, qui avait porté tant d'espoir, fut considérée comme responsable de cette terrible défaite. Elle en paie encore le prix, jour après jour. D'accord. Je dois la rencontrer là-bas. Vous suivez toujours aussi vite, je vois. Tilera est dans le berceau de l'été, bannie du champ de bataille de Melsenshir jusqu'à ce qu'elle puisse expier ses crimes. Selon ce tisseur du destin, elle cherche un artefact d'Urultusk capable de briser le siège et d'aider nos troupes. Mais cette pauvre Tilera ne peut y arriver seule, car son destin est d'échouer dans sa quête. C'est là que vous intervenez. D'accord, et donc on va être... en gros, on va être celui qui va la sauver alors qu'elle devait échouer, ok. La dernière fois que j'en ai entendu parler, la générale Tilera était dans le nord d'Eratel et tentait de repousser l'ennemi. Je crois qu'elle a emmené des troupes à Urultusk. Ok, très bien. Alors parle-moi un peu de la guerre, tiens, qui se passe en ce moment, comme ça va un peu nous rafraîchir la mémoire. Vous n'avez pas trop traîné dans le coin, on dirait. Les Tuata sont partis vers l'ouest depuis leur bastion en Alabastra. En ce moment, ils ne font que menacer mon peuple. Mais si nous tombons, les Tuata s'en prendront aux autres peuples mortels. D'accord. Alors... Vous correspondez exactement à ce que cherche la générale. Ok. Donc j'ai bien fait de poser cette question parce que si on regarde sur la carte du monde, vous voyez, elle vient de dire qu'ils viennent tous d'Alabastra. Donc en gros, ici, c'est la zone finale, je pense que c'est évident. Et en gros, d'ici viennent tous les Tuata qui menacent les peuples de l'ouest. Et donc, ils arrivent comme ça, hop, ils vont vers l'ouest et ils menacent toute cette zone, les plaines d'Eratel, des tirés, etc. Donc plus on va avancer vers l'est, plus il va y avoir de Tuata, je pense. Et plus, eh bien, ça va être complexe et plus on va avancer dans l'histoire, je pense. Voilà. Donc, elle a parlé de Melsenshir, donc j'imagine que... Melsenshir, oui, c'est ici, voilà, parfait. J'imagine qu'en fait, la générale Tilera, c'est celle qui a mené les troupes, comme elle a expliqué tout à l'heure, à Melsenshir, et malheureusement, elle s'est fait vaincre par les Tuata, ici. Elle a perdu Melsenshir, et donc pour ça, elle s'est fait mise en exil
je sais pas si ça se dit, elle s'est fait mettre en exil, enfin, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, et elle s'est fait s'est fait emmener ici, donc à enfin dans cette zone, et là elle est allée à, non mais arrêtez là, et là elle est allée à Uroultusk, donc je ne sais pas exactement, j'ai pas suivi pourquoi faire, mais en tout cas il faut la rejoindre là-bas pour essayer de la sauver. Voilà, parce que normalement elle est censée échouer dans sa quête. Donc on va y aller, mais on le fera la prochaine fois les amis, puisque nous avons fait déjà 30 minutes d'épisode, donc on va devoir s'arrêter là. La prochaine fois donc, alors on va peut-être, on va finir cette quête. Je suis ici pour des officiels. Et après, à moins on se quittera. Vous envoie, nous n'avons rien à nous dire. Ouais, parlez-moi des Twatters. Tout le monde vous dira la même chose. Ce sont des animaux, ils se fichent des mortels. Nous ne sommes que de la poussière à leurs yeux. Regardez sa tête, quoi, sérieux. Avouez ou je vous tue. C'est quoi ça? What? Ah oui, pardon, je n'ai rien suivi. Alors, Andred Anfast, c'est un de ceux qui est peut-être un espion. C'est peut-être un espion qui travaille pour les Tuatha. Alors, est-ce que la persuasion va marcher? Bon, on va essayer. Avouez ou je vous tue. Un espion, moi? C'est ridicule. Il faudrait songer à arrêter de boire tant que vous le pouvez encore. Ou peut-être devrais-je vous y aider. Bon vent. Quoi? Ah d'accord. C'est comme ça. J'espère que j'ai pas commis un crime, là. Ok, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, genre je viens de tuer un gars dans la taverne, tout le monde s'en fout. Bon bah très bien, j'espère que les forces de l'ordre vont pas rappliquer. Je vais peut-être pas... Bon, je sais pas, au pire, les forces de l'arbre appliqueront et puis je serai dans le caca jusqu'au bout de l'aventure. Bref, on verra bien. En tout cas, voilà, on va se quitter ici après ce meurtre magnifique dans une auberge. On va se quitter là. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires pour me proposer des choses, me donner votre avis sur la série, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ça m'aide beaucoup à vous proposer du contenu toujours plus joli et mieux fait, voilà, je ne sais pas quoi dire. Et donc on se quitte là, dans cette auberge, et on se retrouve la prochaine fois pour continuer la quête principale, cette fois, puisqu'on va aller chercher la générale Tilera à Uroultusk. Voilà, sur ce, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde!